Je vous écoute. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, mais je sais pas quoi. Votre enfance, comment était-elle structurée? Je me souviens qu'une fois, il y avait une course de ski dans le petit village où j'habitais. J'avais pas fait la course, mais j'avais fait la une du Dauphiné libéré. Mais cette enfance particulière, de qui était-elle entourée? Je sais pas, je rêvais des mêmes gens qu'il y avait sur l'écran de la télé. Qui, par exemple? Il y avait Nana Mouskouri. Oui. Qui vous fait-elle penser? À une fille que je voulais épouser quand j'avais 20 ans. Elle avait les mêmes lunettes horribles. Mais encore. Et Mireille Mathieu. Mais elle, je savais qu'elle se marierait jamais. N'y avait-il pas un homme, une sorte de frère putatif qui vous aurait beaucoup influencé? Non. Non, pas putatif. On a dit qu'on n'en parlait pas ce soir. Oui, précisez. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Arrêtez. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour.